Plusieurs personnalités politiques militaires des nations nanties se sont rendues ces derniers temps en Algérie pour se concerter avec les autorités politiques algériennes sur le dossier de la paix et de la sécurité dans le Sahel. Un tel regain d'intérêt pour notre pays se justifie par le rôle clé que joue l'Algérie dans l'architecture de paix sur le continent africain et aussi par l'activité de plus en plus intense des groupes terroristes et des mercenaires dans cette région. Sur le dossier de la paix et de la sécurité, l'Algérie est un partenaire incontournable dans le Sahel. L'Algérie est un pays souverain qui n'intervient pas dans les crises et les conflits pour le compte de pays tiers. Le Sahel fait l'objet actuellement de très fortes ingérences étrangères par le canal du financement de coups d'État, de groupes armés, terroristes et de mercenaires. La doctrine militaire de l'Algérie est pragmatique, se caractérisant par une approche africaniste, tirant sa substance des principes fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine. Les positions de l'Algérie sont connues, elles sont constantes et elle s'est toujours opposée aux ingérences et interventions étrangères. Comme les relations internationales sont un champ miné par les crises et les conflits, l'Algérie a toujours considéré que la mise en place de canaux de communication à un haut niveau politique et militaire doit permettre de rapprocher des points de vue parfois divergents, même avec nos alliés traditionnels, pour aplanir les divergences d'approche sur des dossiers sensibles. Et dans les relations internationales, la politique de l'Algérie est équilibrée entre les grandes nations, fondée principalement sur la légalité internationale, dans une conjoncture complexe marquée par le retour des vieux démons de la colonisation des territoires. Nous enregistrons une alliance d'acteurs coloniaux nouveaux et anciens, cherchant à tout prix, par des moyens illicites et immoraux, à légitimer par la force des biens mal acquis. La décision de la France de soutenir la colonisation par le Maroc du Sahara occidental est un acte contraire à la légalité internationale qui ternit encore plus l'image coloniale de ce pays en Afrique. L'acte subversif, composé de nouveaux et anciens acteurs coloniaux, se prépare activement pour le contrôle et la domination de la façade maritime atlantique de l'Afrique, en ouvrant des brèches sur le continent africain par les futurs ports du Sahara occidental. L'Algérie s'est toujours opposée à l'installation de bases militaires étrangères sur le continent africain. Il est connu que la mission principale de ces bases est l'espionnage, la surveillance des territoires, la domination des territoires, pour reporter à plus tard, comme au Mali ou dans certains autres pays, l'avènement de l'état de droit, de la croissance et du développement. L'histoire récente nous a appris que les interventions étrangères ont toujours été le moyen de la constitution de coalitions occidentales pour justifier des interventions étrangères illégales et immorales. Le colonialisme est toujours aussi actif que dans le passé, et cela rend les défis futurs encore plus difficiles pour les États africains. Dans ces scénarios du chaos colonial, le terrorisme est fortement instrumentalisé et il a toujours constitué le supplétif des interventions étrangères. Pour nous prémunir contre toutes ces incertitudes et toutes ces menaces, nous devons être forts, nous unir, nous mobiliser pour protéger la nation et la patrie contre cette nouvelle guerre hybride et subversive, invisible, où l'ennemi avance aux frontières dans l'ombre des trahisons pour nous déstabiliser.